Bonjour, je m'appelle Taïna Rakota Afoud, artiste plasticien et propriétaire de l'Isar Galerie. J'ai ouvert cette galerie en février 2011. On a déjà fait 50 d'expositions en 3 ans et demi dans l'exposition des artistes malgaches et artistes étrangers. Et on y est un peu limité de l'espace, mais je vous amène dans un endroit un peu plus grand, dans le nouvel lieu de l'Isar Galerie. Bienvenue à la teinturerie. C'est ici le nouveau lieu de la galerie. On vit là, il y a encore beaucoup de travaux à faire. On espère bien de finir au moment venu. C'est vraiment un lieu pour les artistes. Et je préfère que les artistes impliquent beaucoup dans ce lieu. Parce que j'ai observé un ou deux mois avant l'ouverture, j'ai réuni des artistes qui ont envie de travailler ici. Il en a beaucoup au début. Et après, quand les choses se réalisent, tout le monde il y a le nombre de gens qui travaillent au fur et à mesure de tous les jours, ça diminue. Au lieu de 10 avant, ça reste 3-4 à la fin. Peut-être on a peur de prendre. Être responsable, par exemple, c'est quelque chose. On échappe ça, quoi. On a peur de prendre une responsabilité, je sais pas, mais d'après moi, c'est à peu près ça mon analyse, mais peut-être que c'est pas vrai. Les artistes, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui ont du talent et beaucoup qui persévèrent, mais ce sont les promoteurs, les producteurs qui manquent. Il faut quelqu'un qui n'est pas artiste, mais qui est imprégné de la culture, de l'art. Et c'est cette personne qui sera peut-être un entrepreneur ou un manager qui va. C'est à lui qu'on va donner le boulot de faire marcher le truc. Un bon projet qui a de la continuité, c'est rare. En fait, des collectifs, ça se forme juste comme ça. On peut même pas appeler ça un collectif, c'est un ensemble d'amis, une bande, quoi. Et ça se forme, ça fait quelques petits projets, mais pour faire des projets vraiment grands, des grands projets, c'est un peu, ça ne dure pas, c'est éphémère. Ouais, le concept de Muramura, c'est... Il y a beaucoup de gens qui disent ça, les étrangers, que Madagascar, c'est le pays de Muramura. Et Muramura, pour moi, pour nous, c'est pas péjoratif.
c'est le rythme de vie, c'est la tempo de la vie, quoi. C'est pour ça que les gens sont un peu étonnés des fois, à chaque fois, de travailler avec des malcaches, parce que tu demandes de faire quelque chose, et puis oui, en ce moment-là, mais le oui, ça ne veut pas dire tout de suite, tout de suite, mais le oui, c'est j'attends des murmurants, step by step. You know, we are trying to interact, you know, mm-hmm. We're trying to make things happen together, but for the visual art, for the, even, you know, for music, for everything, I think the example of cinema can be applied for everything, and even more, we have to interact, you know, together. Collaborate. Yes. Yeah. Because again, the government and the government, like, they don't give it, you know, They are not interested in this. The culture is not their priority. Peut-être ça c'est l'effet de crise politique à mon avis. C'est l'effet de crise parce qu'on est victime de, moi je suis victime de trois crises politiques à Madagascar. J'ai vu trois crises politiques. 91, 2009, 2002, 2009. C'était quoi l'effet exactement, l'impact de cette crise pour toi personnellement et pour ce que tu disais? Tu es saturé, tu ne sais plus tu vas aller où, tu vas faire quoi. Tu es saturé, c'est vraiment une saturation. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens ici frustrés. La crise politique, ça change beaucoup de choses, ça coupe beaucoup de choses. Et chaque fois, recommencer à zéro, tout le temps, tu fais quelque chose. Et ça marche à peu près un an, et il y a une crise, et tout ça, et après, recommencer à zéro, c'est dur. C'est pour ça aussi que les choses, ça ne passe pas. Si je vais le faire moi-même, ça, c'est comme c'est une fourmi qui va faire bouger un éléphant. C'est à peu près ça, mais là. C'est une structure là qui déjà qui s'active beaucoup, qui c'est un esprit là qui c'est une plateforme où je pense que beaucoup de gens qui pensent comme moi peuvent faire des trucs. Ça c'est un tremplin, c'est le boulet de canon, c'est l'arme fatale à peu près aussi. C'est à peu près une lueur d'espoir dans ce qui va se passer, quoi. Parce que faire ça, c'est pas facile du tout. On a toujours eu l'impression de ne pas se connaître. C'est juste une petite connaissance. Mais dans cet endroit, on commence à rencontrer tous les gens qu'on connaît pas, ou qu'on connaît par moi et on n'a jamais vu par le visage. Donc c'est spécial. On peut travailler. J'aimerais bien si c'est établi ça, et ça commence, et on a des résultats. C'est ça qui se manque, les gens qui font les choses sérieux, mais un peu par-ci par-là. Et c'est vraiment un avantage pour nous, ça. Et je pense qu'on essaye avec les trams, les choses et tout ça, de s'organiser. On va organiser, on va faire le mieux avec eux. Dans la promotion, dans la programmation, dans la partage, en tant que centre de ressources, de partage de ressources, de se repousser. Comme ça, avec les RFC, on a un point de vue. Avec les fédérations artificielles, je pense qu'on va travailler ensemble dans l'application. Ça, c'est le rôle de l'application, des lois et des structures. Les fédérations, ce n'est pas une organisation de festival, c'est ça qui est à terre, c'est à terre, ne pense pas comme avant que c'est une organisation de festival, les fédérations, la visuelle. Isar est très spécial parce que c'est le seul endroit, la seule galerie qui provoque, je dis, l'art contemporain
Et on pense que tu fais, mais c'est contemporain, c'est Isaac Calderi. C'est unique, c'est la première fois qu'on a ça, et qu'on peut y travailler, et qu'on a surtout envie de laisser tomber nos sueurs pour qu'on arrive à communiquer avec les gens qui nous entourent. C'est ça notre rôle, donc c'est tout droit. Je pense que cet endroit-là va changer un peu notre écart de l'art à Madagascar, surtout dans l'art plastique. Le cinéma, ils ont fait quelque chose, la danse, ils ont fait des photos, ils ont fait des photos, mais l'art visuel, il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas dit que c'est faute de qui ou quoi, mais c'est pour moi, c'est le manque de responsabilité, ça, c'est tout le temps. Pour moi, le problème, c'est qu'il n'y a pas de responsable. Et être responsable, ce n'est pas nommer ou voter ou nommer, mais c'est sentir que si on ne prend pas la motivation à faire ça, il ne se passait rien. Mais tout le monde, c'est l'avantage de tout le monde, en fait, de travailler ensemble. En français, travailler ensemble. Du coup, le Mourant-Moura, pour moi, c'est ça, c'est de prendre à réfléchir et après, le moment où tu décides et tu roules. Mangan wanu tumane,
Mangano wanu shonale, mangano wanu tumange. Mangano wanu shonale, mangano wanu tumange. Oh, shonale, oh, oh, shonale. Maninu loche no tumane, maninu loche no tumane. Shonale, shonale, shonale. Rose ya fakade sami madala ni funyo.